Hey, salut à tous, c'est NT, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'heure de raid Zeroid sur Pokémon Go. Et sachez que les Zeroid doivent être shiny. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'en faire en masse aujourd'hui pendant cette heure de raid. L'heure de raid commence en 10 secondes. On va se rapprocher de cette ultra brèche qui est juste en face. Et on va pouvoir ensuite tranquillement faire ce raid. Je pense qu'on aura juste à avancer là. On est au niveau de la pyramide du lourd, juste derrière moi. C'est parti pour le premier raid. Ça va commencer dans 15 secondes. Et voilà, on rappelle qu'il peut être shiny. Et quand il est shiny, il est jaune. On est actuellement 4. Non, on est plus. On est 7 dans ce raid. 8. Bon, bah, c'est bien. Ça devrait plutôt passer. Après, c'est vrai qu'ils sont assez compliqués à battre quand même les Pokémon, alors j'allais dire les méga évolutions, mais non, c'est carrément une ultra chimère, donc c'est encore autre chose. Mais après, ça va, on est beaucoup. Il y a un boost qui est activé avec de la méga évolution. Il y a des boosts d'amitié parce qu'avec Clara et Camille, on est meilleurs amis, si je ne fais pas de bêtises, donc c'est plutôt correct. Allez, let's go. Tu feras le prochain avec nous, hein. On va aller là-bas. Il lui reste plus que quelques PV et ça y est, le premier Zeroid est tombé. On est donc 4 là dans mon groupe à faire ce Zeroid. On va voir si l'un de nous réussit à l'avoir en shiny. Le taux c'est quoi? C'est comme les légendaires, c'est 1 sur 20, 25. Ouais, c'est ça. Ok, let's go, les 10 000 d'XP. On va au résumé et Zeroid pas shiny de mon côté, il est 2764, donc il est pas incroyable, voilà, malheureusement. Et on va le capturer. C'est parti, début du deuxième raid Zeroid, deuxième chance de l'avoir shiny. On est 7, 9, on est 11, on est 11 actuellement dans ce raid, donc ça va aller beaucoup plus vite que tout à l'heure, 12 même, oh là là, incroyable. Ah ouais, là ça va beaucoup plus vite, hein, ça se voit. Ça se voit largement, le petit séisme, regardez comme ça fait mal, oh là là. C'est propre. Attention, il nous met quand même des petits coups. Encore un séisme qui fait très très mal. Et le Zeroid va tomber dans quelques instants. Et ça y est. Il est KO. Alors, on va récupérer, comme d'habitude, les balls, etc. On rappelle que le max, c'est 2821. Ah oui, 2821. 3 super bonbons, des bonbons, là, j'ai mis en offense. Donc, 20 000 d'XP. Et ça. Au résultat, il est shiny, toi. Waouh, trop cool. Allez, on va au défi bonus et shiny aussi. Yes, le Zeroid shiny. Trop, trop cool. Et il est 2762. Donc, c'est pas incroyable, je pense. Mais on va le capturer tranquillement. On va mettre une baie nanana argentée pour avoir le plus de moments possible. Et une petite honor ball. Et c'est good pour ce Zeroid shiny au deuxième raid. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait plaisir. Je te tiens, Zeroid est capturé. On va l'évaluer. Et il est que 2 étoiles, malheureusement. Mais bon, trop cool, Zeroid shiny. Bon, on va en faire d'autres, hein. On a 3 autres raids, là, Zeroid, qui sont juste à côté. On va attendre juste que tout le monde capture le sien. Troisième Zeroid, on est toujours au même endroit. On espère en avoir un meilleur. Et on espère aussi en avoir peut-être un shiny meilleur. Au moins 3 étoiles, hein, peut-être. Mais on verra. Déjà, on espère que les autres qui n'ont pas encore eu le shiny aient un shiny. Ce serait pas mal. Et on est 18. Il est 18 actuellement. Il est 18h18. On est 18. Incroyable. Imagine, il est 2818. Ce serait pas mal. En tout cas, il est KO. Il est KO. On est 18. À 18h18. C'est... J'ai l'impression que moi, il est 2810 de ce que j'ai vu. Donc, pas 2818, malheureusement. 20 000 d'XP, on va au résumé. Et 22 balls.
est pas shiny, mais il est 2810, ce qui est mieux, ce qui est beaucoup mieux. On va le capturer tranquillement. On va évaluer ce zéroïde, hein, parce que c'est le meilleur qu'on a pour le moment. Il est... Oh ! Bah, il est 98%. 98%, ce qui est pas mal du tout. Il aurait été shiny, ça aurait été incroyable. Mais il est pas shiny, mais au moins, on a un bon zéroïde. Donc déjà, plutôt cool. C'est parti, troisième, quatrième. Quatrième raid zéroïde, déjà ? Déjà le quatrième. Quatrième raid zéroïde. On est moins, on est 9. On est que 9 dans ce raid. On va tranquillement le faire. Maintenant l'objectif c'est d'avoir un bon shiny parce qu'on a eu un bon normal, on a eu un shiny. Donc là on veut juste avoir un bon shiny. Voilà, tout simplement. Le quatrième zéroïde est maintenant KO. Allez, pour le moment dans notre groupe, hein, toujours que 2 shiny. On espère qu'il y en a au moins un nouveau qui va tomber maintenant pour rester un petit peu dans les dans la moyenne. On y va, 20 000 d'XP. Oui. Ah, nouveau shiny, cette fois-ci c'est Clara qui l'a, il est combien? 2000 96. 796, c'est pas mal en vrai, il doit être 3 étoiles. Allez, à mon tour, on y va, il est pas shiny, il est 2732, donc il est vraiment claqué. On est sur le cinquième raid zéroïde. Pour le moment, 3 shiny ont été trouvés parmi notre groupe. Hein. Il faut savoir qu'on est 5, tu fais à peu près 5 x 4, ça fait 20. Pour le moment, en vrai, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. On est 6, oui, mais j'ai dit 5 x 4 parce qu'on n'a pas tous fait les premiers. Ouais, je devrais dire 5 x 5. Allez, 5 x 5, 25. Sur 25 personnes, enfin, sur 25 raids faits, il y a eu 3 shiny. En vrai, le taux est plutôt en notre faveur, voilà, en l'occurrence. Donc les statistiques voudraient que là, ben, il n'y ait pas forcément de shiny. On va voir, on va espérer. Hein. Il est 2759 de mon côté, donc c'est pas incroyable. Les baies frambis dorées, on a encore 20 000 d'XP. On va au résumé, et attention, de mon côté, il est pas shiny. Allez, allez Kirmou. Ah, il est nul, moi. Non. Non, allez. Non. Ma gueule. Écran blanc. Écran blanc. Non. Oh là 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 là, Zamba. J'ai accepté un petit pass de raid, un petit raid à distance, et je me suis rendu compte du prix des passes de raid à distance, et c'est ultra abusé. Mais bon, bref. En tout cas, peut-être que ce raid à distance va nous... Mais attends, on est que 3 dans le raid. Ah bah stylé. Donc en fait, c'est-à-dire j'ai utilisé un pass de raid à distance, mais on va peut-être même pas réussir à mettre KO le zéroïde. Si, en vrai, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, ça va être un peu long, mais on va y arriver. Et c'est bon, le zéroïde à distance est KO. Il est 2744. Et j'ai presque envie d'espérer qu'il soit pas shiny, parce que du coup, sinon il va être mauvais. 10 000 d'XP, et on va résumer. Attention, il est shiny. 2744, c'est dommage. Oh non, pas la Master Ball, pas la Master Ball. Ça fait peur, des fois j'ai envie d'utiliser la Master Ball parce qu'elle est tout à droite et que d'habitude j'utilise mon Hyper Ball qui est tout à droite. C'est capturé, 2744, il sera pas 3 étoiles. On l'évalue. Ah, il est à ça d'être 3 étoiles, il est à ça. Mais il n'y est pas. Ouais. Ah merde. À un cran quoi. Bon ouais, c'est pas grave. Allez, on va faire un dernier raid zéroïde. C'est parti pour le dernier raid zéroïde. On est actuellement 11 personnes à faire ce raid, donc ça ira un peu plus vite que le précédent où on était que 3. À la distance, c'était compliqué. Mais au moins, j'ai été récompensé par un shiny. Bon, pas un bon shiny, mais par un shiny. On va espérer que celui-ci soit shiny pour quelqu'un et qu'il soit plutôt cool. Le zéroïde est tombé. Attendez avant de le reveal, on va le reveal tous ensemble, ok? Ouais, comme c'est le dernier, on va faire un reveal tous ensemble. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Personne. Personne. Personne sur ce dernier zéroïde. Il y en a un bon ou pas? Non. Et c'est bon, le zéroïde est capturé. Ce qui veut dire que bilan de cette chasse aujourd'hui. On a eu donc plusieurs Pokémon, on a eu plusieurs zéroïdes surtout. Un zéroïde 3 étoiles, un zéroïde shiny 2 étoiles, un zéroïde 98% mais normal.
un zéroïde 2 étoiles, un autre zéroïde 3 étoiles, un zéroïde shiny 2 étoiles, encore une fois, de justesse, et enfin un zéroïde, encore une fois, 2 étoiles de 1745. Bonne chasse, en vrai, ça fait plaisir. 2 shiny, c'est plutôt très très cool, sur seulement 7 raids, c'est plutôt propre. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très très vite. On a la saison des ténèbres enflammées là, qui démarre très très bientôt avec des Umata Shiny et également avec Ténéfix, Méga Ténéfix Shiny dans les raids, si je dis pas de bêtises. En tout cas, vous verrez tout ça sur la chaîne très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Usitopé. Bye tout le monde.